Hey, hey, coucou à tous. Bah voilà, on entame le début de la semaine. Il est lundi et on va commencer à ouvrir le studio. Coucou! Il y a du monde, comment ça va ce matin? Il a ramené le petit déj! Ouais! Avec des cartes son! Et les croissants! Qu'est-ce que t'as ramené, mon poteau? Les pains au chocolat! Et puis une petite gâterie pour midi! Le nouveau contrôleur midi! Ah! C'est ça! Il était là tout à l'heure, je l'avais même pas vu! Et puis multi-FE et guitare! Yeah! Préambule! On va pouvoir essayer ça, tout ça. Bon, mon Totonin. Alors, moi je sais ce qui se passe, je te sens énervé. Qu'est-ce qui t'arrive? Explique-nous. Je souffre. Tu souffres. Ce matin, en fait, le but c'est que hier on était en train de voir comment fonctionnait ça. Donc ça c'est le contrôleur MIDI qui me permettra dans les lives de pouvoir utiliser Mindstage pour mes voix. Voilà, Mindstage, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel de musique qu'on utilise sur scène, que beaucoup de gens utilisent sur scène. Et là, en faisant des recherches, je suis tombé sur... je suis tombé jusqu'à des trucs de moissebattre, quoi, de moissonneuse batteuse. Ouais, en fait j'ai recherché ce genre de produits sur YouTube pour avoir un espèce de tuto, truc comme ça, et on est tombé sur des trucs de moissonneuse batteuse, de tracteur, bref. Donc ça doit bien faire l'herbe, hein, c'est cool. Par contre là en fait j'essaye de comprendre et de reprendre là où on était hier. C'est-à-dire du mappage MIDI, en fait, c'est super chiant. C'est-à-dire que dire au logiciel, au moment où j'appuie sur ce bouton, voilà, tu descends ou tu remontes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que sur le coup, c'est pas forcément évident. Bon courage, mon Totona. Merci. On va essayer de le faire sursauter. Bouh ! Oh là là, ah, non, ça marche pas, ok. Non, non, non. Alors c'est le mec, lui il sursaute jamais, mais on fait n'importe quel jeu vidéo, on fait du Resident Evil, de tout, rien ne fonctionne. Aucun effet sur moi. Rien. Bon Totone, toi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors je continue le montage pour le making of de Another Day qu'on a fait au cinéma. Là c'est juste la partie cinéma. Et pour l'instant j'ai 12 minutes à peu près de rush juste sur Antonin. Ça va être un très gros making-of. Faut dire que c'était le plus gros clip qu'on ait fait aussi. On va le faire en plusieurs parties. Ouais, parce qu'il y a encore, j'y pensais, mais il y a encore le making-of qu'on a fait aussi en extérieur, dans la grotte. Oh oui. Oh d'ailleurs, je tease, mais on a fait un petit truc du Seigneur des Anneaux. Je sais pas si je t'ai filé les rushs. Ok. Je vais t'effiler et franchement, ça le fait grave. Pour l'occasion, je ferai une petite musique vite fait au violon, je la compose en dessous. Avec un petit orchestre. Mettre les petites. Et les petites bandes noires et tout, letterbox, on va être bien, carrément. Et donc je pense qu'il va sortir en plusieurs parties parce que c'est vraiment très très gros. Ouais, c'est un gros morceau. Super. Donc, ouais, on avance un petit peu dessus quoi ce matin. Super. C'est cool. Bon courage. Merci, Romain. Et toi, mon petit Romain? Et alors, moi, je reprends les mix pour pas qu'on se laisse déborder, voilà. Donc les mix du deuxième voire du troisième album, on est en train de reprendre ça tranquille. Donc là je m'occupais de la voix d'Antonin aujourd'hui. Alors attention, je vais essayer de pas mettre trop fort pour pas que ça sature sur le micro. Mais voilà, là, en train de bosser ses voix. Donc là c'est un nouveau morceau que les gens ils ont jamais entendu. C'est ça, on l'a joué quelques fois sur scène dans notre ville, mais en effet ils l'ont jamais entendu. Voilà. Donc en train de bosser les équalisations sur sa voix, la compression et trouver une bonne reverb. Je suis pas encore satisfait là. Et donc je suis très content parce que j'ai enfin trouvé la reverb, la bonne reverb qu'il fallait, pile pour ce passage. Là. Un peu enrobé, un peu spatial, dans l'histoire c'est l'intelligence artificielle qui est dans la navette, qui prend soin de tous ses passagers, de tous ses colons qui partent sur la lune, et elle en prend soin, et du coup elle est
elle est toute molle, elle est toute douce, elle vous enrobe comme ça dans ses bras et tout, donc voilà, c'est un peu le... Et là on essaie de le retrouver, enfin t'essaies de le retrouver dans le mix. Voilà, là, on essaie de reproduire ce côté-là, cette émotion-là. Et je suis content parce que, ouais, ouais, pour celui-là, ça fait, vous aurez pas le solo, je suis content parce que pour ce côté-là, ah oui, voilà. Spoil. Tout à fait. Réussi. Il a réussi, ça y est. Il a réussi à trouver ce qu'il fallait en midi, ouais. Sur sa pédale. Après 2 jours. On s'amuse bien. Ouais. Ça se prépare pour des sons. Grave, il y a des super sons. Ça va donner envie de repartir en compo. Là. C'est-à-dire c'est Do, Sol et pas Sol, Do. C'est là. 75. Donc là, on est jeudi matin. Et pendant qu'il y en a qui bossent, d'autres déjeunent. Prends des forces parce qu'on attend un colis de 80 kg de matos, franchement, ça va piquer. Normalement, ils viennent aujourd'hui. Attends, j'ai pas parlé la bouche pleine quand même. On va voir. Ce qu'il m'avait dit, donc c'est cool. On va voir. Donc là, on va continuer de bosser tranquillement. Moi, j'ai commencé déjà sur les vidéos. Et puis Romain sur le mixage. Sur les drums. Sur les drums de Shield. Du Shield, il nous aura fait chier ce morceau, hein. Ouais. Comme on disait en off, hein, il nous aura pété les glamis. Mais ça ouais. Ça va le faire. Il est bien, j'aime bien l'univers qu'il a. Le... Bah, j'espère que tu l'aimes bien parce que putain, autant on aura passé dessus. Non, je déconne, non, c'est vrai qu'il est. Non, mais il a un sacré univers, je trouve. Il a une patte, on va dire, très intéressante, je trouve. Il est sympa. Il sera encore plus sympa quand il sera fini. Ouais. Et ça va être cool. Ouais, le son, c'est pas trop. C'est caca boudin. Donc là, on cherche un son pour Max Q. Avec un petit thème synthé à la fin, histoire de dynamiser la fin du morceau. Avec la grosse la caisse claire en plus. Ouais, c'est merde, j'en ai coupé mon truc, quel con.
peut-être un arpégiateur là, ça pourrait peut-être le faire. Ah ouais. Ça c'est quand. C'est quand t'attends le livreur. Merde, j'en ai coupé. C'est si fou. C'est pas comme si on avait 6 colis à donner là. 80 kilos de colis qui arrivent. Plus. Il a besoin de se défouler, je crois. Ouais. Généralement, quand vous le verrez autour d'une batterie, c'est qu'il a besoin. Bon, ça y est, c'est le grand moment. C'est un carton. Carton avec un autre carton dedans. Et dedans, un compresseur de studio. Oh, qu'il est beau. Pour faire ressortir le grain et le timbre de la voix de tout le monde. Il est hyper chaud, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est très bon rapport qualité-prix parce que c'est peut-être celui qui est le plus intéressant actuellement dans le marché. Merci Maryse pour ce charmant achat. Eh bien, il n'y a pas de problème. Ok les amis, qu'est-ce qu'on va ouvrir là? Des cartes Pokémon. Ouais, super, il paraît que c'est la mode en ce moment. Alors, je peux vous dire, on a fait un gros achat de cartes. Eh bien, dedans, il y a un anaconda papier. Ouais. Attention. On va voir. On fait déjà ce qui est chiant, hein. Mais essentiel, des câbles. Oh. On l'appelle l'anaconda celui-là. Alors on a du 20 mètres. Du 20 mètres. C'est du câble, c'est du câble. Du câble. Du câble. Et pour changer du câble. Du câble. Encore du câble. Du câble. Du câble. Du câble. Putain, il y en a 10 comme ça. Du câble. Ah. Ah. Ah super. Guitare dessus. Antonin, il va être content, il va pouvoir accrocher sa guitare au mur parce qu'il en rêve depuis très longtemps. Et enfin, après 3 euros d'achat. Non, c'est même pas, c'est 2 euros... 2,95 euros, voilà. Ça aurait pu me faire gratis. 3 euros, parce que 3 euros d'achat, enfin, ton rêve se réalise. Et ça, c'est un... On aura des bonnes séquences. Oh là là, un deuxième. Et sinon, on va accrocher une deuxième guitare. Non mais c'est le plus beau jour de ta vie. Mais moi, ce que je préfère, c'est le câble. Du câble et encore du câble. Hop là. Là, dedans, sous vos yeux ébahis. Du câble. Du câble. Ah, voilà. Pour poser ton PC, enfin ton Mac, pardon. Ton ordinateur, on va dire. Ton ordinateur. Ton sur scène. Je veux pas te dire, mais on sent que c'est le tout premier unboxing qu'on fait, hein, quand même. C'est le gros bordel. On sait pas faire, mais on va s'améliorer. On va s'améliorer. Ah non, on suit pas la mode, hein. C'est pas vraiment notre truc. Oh, une chiffateuse. C'est clair. Voilà. La même chose. C'est vraiment lourd, ça pèse combien à peu près? 20 kilos. 20 kilos? 20 kilos, ça. 20 kilos de bonheur. Tu rajoutes 5 kilos avec la barre. Putain, les amis, on râlait avec le camper, mais en fait, maintenant. Ah bah ça sera le moins lourd, en plus il y aura roulette, le camper. Ouais.
Alors, c'est quoi la référence de ce modèle, Antonin? Alors, c'est une EV. Moi, il y a deux EV Evolve 50. Electro Voice 50. C'est en bois. Ouais. On va monter tout ça et puis on va voir. Ouais. Tu vas faire quoi alors du coup? Tu vas jouer un accord? Une note. Oh, c'est tout. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Ça pousse, ouais, sur la direct. Ah bah oui, car pas l'heure, tu vas voir. Vachement sympa, j'ai envie de dire. Ah, ça fait bien. C'est bien défini, le son. Il est, ouais, il est... ça a l'air. Ouais. Surtout dans les basses, je trouve, il est bien. Ouais, ça baffe pas. Ouais, ça baffe pas. Ça baffe pas de masse. Bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Puis abonnez-vous sur YouTube et sur Patreon. Ciao.